Bonjour et bienvenue, on est reparti. On est à la recherche de Chaos. Est-ce qu'on a des missions secondaires encore à faire? Oui, on a encore des missions secondaires à faire. On va faire ça, le palais englouti, on y repart. Puisque la puissance travaille d'arrache-pied pour obtenir, le peuple avait reconnu ses efforts. Il avait surnommé le guerrier de la lumière. Il avait pour mission d'éliminer le chaos et chercher à faire honneur à son nouveau surnom. Cependant, lorsqu'il a touché le cristal de l'eau qui a été voilé par les ténèbres, il a découvert véritablement la fin de l'univers. C'est devenu un monstre. Voilà, c'est devenu un démon. Tiens, ça va être chiant de le recombattre, lui. Oh, merde. La dernière fois, on a eu un peu de mal pour un certain boss. Alors, illusion. C'est peut-être une mauvaise idée. C'est peut-être une mauvaise idée de faire le Kraken avec ça. On va voir. Lors d'une discussion dans une version antérieure du monde, il m'a dit qu'il se considérait comme un roturier. Peut-être qu'il était traité ainsi par ceux d'en haut, mais son statut et ses compétences ne devraient pas être différentes des autres étrangers. C'est certainement parce qu'un homme fort était à ses côtés qu'il se sous-estimait et idolâtrait la puissance. Il se sentait inférieur aux autres et quitta ce monde avec une importante rancœur. Je peux comprendre sa renaissance en tant que Kraken, le démon de l'eau, qui prouve d'ailleurs qu'il est tout aussi important et puissant que les autres. On l'avait tué en combat entier ou pas? Je me rappelle plus. Danger. Jet, you okay? Might be in big trouble. We gotta keep our heads cool. It isn't over. Oh mon dieu. Oh, tous les debuffs qu'il m'a mis. Un peu d'MP. Ah, j'aurais dû balancer mon truc avant. Non, merde, trois fois. Time to go wild, Jen. I'll leave you down. All right. I'm ready. Ash, show me what you can do. Quoi, mon tir là, je viens de faire un truc. Okay, cool. I'll annihilate you. On a eu des bons trucs. On a eu des bons trucs. Et ben voilà. Dès le début de vidéo, en 4 minutes, on tue un truc. Jed peut être ninja. Alors, on va voir un peu ce qu'il nous reste. Ok, je crois qu'on va repartir. Une stratégie centenaire. Alors, on est où? Tous les démons étaient vaincus et l'éclat des cristaux restaurés, mais Jack n'a pas perdu son désir de vaincre Chaos. Ses compagnons et lui rentrent à Cornelia pour faire leur rapport, mais les habitants effrayés par les nombreux changements
du monde rejettent la faute sur eux alors qu'ils sont reçus en audience par le roi des monstres et des pirates dirigés par le capitaine Biquet font leur apparition en ville. Ce dernier ressemble à un monstre sous l'emprise des ténèbres mais reprend ses esprits après sa défaite. Il use de ses dernières forces pour dire à Jack que les chauves-souris le guideront jusqu'à Astos qui rend son dernier souffle. Ils les suivent alors en direction d'une tour qui vient d'apparaître. Faudrait peut-être que je favorise les... Ouais, non, ça sert à rien. J'allais dire les équipements, là, de... 5 étoiles. 5 étoiles maximum, je crois. Mais bon. De toute façon, on va trouver mieux en niveau et tout. Donc, peu importe que ça soit 5 étoiles. Follow the bats, and we'll find Astos. Seems so. I have no memory of this place. White walls, white floors. Honestly, I find it unsettling. Well, we're here, and we have a job to do. I know that. Let's find Astos. Vous savez ce que ça me rappelle, moi? Moi, ça me rappelle FF11. Sky. Le ciel. Dans FF11. C'était un des DLC, je crois. Un des premiers. Ouais, c'était des structures dans le ciel, il y avait des élémentaires, il y avait les dieux aussi, il y avait Byakko, il y avait Genbu à tuer, il y avait des trucs comme ça. Enemy spotted. Let's knock him down. What's wrong? Keep it together. You like this? Come on. Conteste un peu cette classe là. Oh, c'est ça. Il y avait des pots comme ça aussi. Ils faisaient silence. Ils faisaient de la magie. Je crois qu'ils ils aggro pas. Je crois pas qu'ils étaient en... Ils pouvaient aggro. Mais par contre, nous, si on faisait des castes, des magies, du coup, après ils nous attaquaient, je crois. Je crois que cela, ça c'était comme ça. On va voir comment ça marche. Onde d'impact, obstruction, récupération. Ash, show me what you can do. You got it. Hein? Ah non, il fait pas silence. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il récupère du... Ah, ouais. Better tread carefully. Comment je régène mon machin là? Not my best moment. Focus on how we can do better next time. Genre il meurt après? Ok. Intéressant. Intéressant. Mais c'est tellement ça, hein, c'est Sky hein, en fait de FF11. There you are. Jack, let's go. A thing of beauty. Don't want to meet the same fate. Merde. Mon Dieu, ma vie. Careful. This place seems liable to fall apart in a minute. Pas de faire mettre. Bon, ça me gave le bâton. J'aime pas le bâton en fait. Bon, le machin, il faut lui donner des ordres tout le temps. Il peut pas jouer un peu lui-même.
construction d'impact. We got company. Let's knock them down. Non mais s'il te plaît quoi. Oh cool. Find a better match. Think before you strike. Oh my god, fous de ma gueule. Oh mon dieu, tu vas me gaver. Oh, tu me gaves. Time to go wild, Jack. I'll leave you down. Careful! C'est bizarre le machin là. Il, en plus, il met du soin n'importe où. Ou alors sur les alliés, peut-être, je sais pas. Warm welcome. I don't stand a chance. Oh là, j'aime pas. Oh là 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 là. Good. Jack, say it so. Ouais. A win. Ouais. Pourquoi il a deux charges là? Attends, comment ça marche le truc? Je suis pas très fan. Faire appel à un esprit, attaque automatique, et puis maintenant foncer pour lui donner des ordres. Comment ne sont pas disponibles lorsque vous faire appel à un esprit? L'esprit du serrateur, parce que le PV tombe à zéro. C'est pas... Ouais, je sais pas. Let's go. Jack, let's go. Oh la vache, oh là là, les dégâts, s'il te plaît. Okay. Obstruction, c'est quoi? C'est la... ça les fait venir? Let's see what's inside. Tu reviens là ou... Pourquoi le machin il reste sur place en fait? En bas. Next. Now watch and learn a couple things. Il a fait du soin là-bas. Non mais qu'est-ce qui... Pourquoi le machin il reste loin? We win. Ah, je peux l'enlever. Up ahead. Come on, follow me. Ouh, 21. Si on combat, c'était quoi? C'était une grosse chimère, je crois. Je me rappelle plus. Je sais plus comment il s'appelait le boss de Sky. Fallait tuer tous les trucs, genre Byakko, Genbu. Il y avait qui? Il y avait Byakko, Genbu. Il y avait quoi? Je me rappelle plus. Ah putain, il y en avait deux ça. Je me rappelle plus des noms. Il y avait Suzaku, je crois, c'était un oiseau de feu. Et ça. Genbu, c'était la tortue d'eau. Byakko, c'était le tigre.
Suzaku, je crois que c'était donc l'oiseau de feu. Et après, il y avait un autre aussi. Ça, c'est un téléporteur. Ouais. Il y en avait plein dans Sky. C'était super difficile pour les gens de se repérer. Vous savez, très peu de gens. Tout le monde semble le même pour moi. C'est facile de se perdre. Pas si vous prenez attention. Il y a des différences. Ah, ok, on peut le faire venir. Ok, ça marche. Il y avait très peu de gens qui savaient leur chemin à Sky. Et je faisais partie de ces personnes qui devaient prendre des groupes de gens et leur montrer. FF1, c'est le online. Hein. Oh putain! That was rough. At least we have time to take a breather. Ok, je commence à mieux piger là l'illusion. Genre tu le fais venir là, tu le fais attaquer, tu le fais faire ce que tu veux. Par contre, je voudrais bien savoir à quoi ça sert les buffs en fait. Non, oui, le buff que j'ai là, il y a deux. Quoi, il est de plus en plus puissant, c'est ça? Ok, c'est marrant. Oh putain, je l'ai... Attends. Ah, si je maintiens, je le fais... Ok, ok, je le fais disparaître. Je crois. Time for a change. All right. This is the one. Time for a change. More of those cubes. Let's have a look. Alors je me dis que du coup ça pourrait ressembler à ça en fait. Sky en, bah, en HD et tout ça, enfin FF11 en HD. Pas sympa. Alright. Arme sanguinaire, voler. I'm ready. This is the one. Come on out! Ash, show me what you can do! Vous comprenez ce qui se passe ou pas? Parce que moi, pas vraiment. Putain, je suis bloqué par... Je te laisse avec des marques à vie. Time to go to work. Ash, show me what you can do. You got it. All right. Ha.
pas mal. Putain, mais oh, c'est parce que j'ai beaucoup de chance ou quoi? We do. Le mec, s'il ne sauve pas de notre gueule. Ah putain, j'ai pas eu. Ah, ça existait pas ça dans Sky par contre. C'est quoi ça? Non. This door is mocking us, daring us to find an answer to its riddle. Et il y avait dans Sky, il y avait des bah, comme ça, je crois, je sais pas si c'était des boutons, je me rappelle plus, mais des choses à actionner. Ouvrait des portes, mais genre à l'autre bout et tout ça. Des fois, il fallait faire des tours et tout ça pour pouvoir ouvrir la bonne porte. Ah, c'était vraiment une caisse. Honnêtement, c'était bien chiant. Mais bon, après, une fois qu'on connaissait par où passer, ça allait. Mais pourquoi ouais, chance 31. Ouais. Mais après, ça allait. Mais ouais, il fallait connaître l'endroit. Il fallait avoir sneak et invisible. Comme magie, surtout. C'était super dangereux pour les mages en fait. Dès que si tu faisais une magie à côté d'une créature, elle te sautait dessus. Quoi. La plupart du temps. You think this key will unlock that door? Ah. Bon bah. On va monter. You've heard of Lufenia, Neon? It's a fairy tale, right? Everyone's heard of it. The stories say it started as a tiny village, looked down upon by the great kingdom of Cornelia. Through some sorcery or science, it soon overshadowed its neighbor. It prospered, thanks to strange devices that served without question. Fearsome instruments of war, conflict broke out between the nations, and continued seemingly without end. Je veux pas dire, mais le... Ah, le combo, là, de que j'ai, le fait d'être... Buffer, machin, n'importe quoi. Et ça, là, c'est sympa. C'est pas le soin que je vais faire. J'aimerais bien pouvoir donner des ordres pendant les animations, comme ça serait cool. Il y a des machins. Comment on fait? Didn't people back in the day have anything better to do than build traps? Oh là là, on est mort. Okay. All right. Oh là là, on va crever. Oh. Je vois ce que ça fait en fait ces habilités là. Ouh. Non mais sérieux, on n'arrête pas de trouver du rouge. Hein. Mais ouais, ça m'embête un peu là. Quelqu'un peut m'expliquer ce que ça fait? Donner des ordres. Ouais, tu peux me m'énoncer. Non. Tu peux.
peu. Peut-être faudrait un cube. Genre obstruction, ils avaient. Encore un téléporteur. Ash, show me what you can do. Now watch the nerve on this thing. You okay on potions? Hey, be safe, guys. Time for a change. Après, un truc qui est bien, c'est que quand on utilise une habilité, on peut directement changer de classe, en fait, d'une à l'autre. Donc, techniquement, on pourrait jouer genre tout le temps avec... c'est quoi Illusionniste. Non, c'est pas Illusionniste. Illusionniste, c'est celui avec la batte, là. L'autre, là. Comme ça, on utilise la roulette. Puis après, on change direct. Un certain conte de fées, les guerriers enveloppés de lumière éliminèrent les ténèbres. On les appelait les guerriers de lumière. Ils furent vénérés et respectés par le peuple, qui les considérait comme de véritables héros. Ce n'est bien entendu qu'un récit fantastique, mais le peuple ignorant continua de s'y accrocher sans regarder la réalité en face. Le même scénario se répète sans cesse. Les gens en attendent beaucoup de leurs héros, mais si ceux-ci ne correspondent pas à leurs attentes, ils désespèrent et les trahissent. Malgré tout, cet homme souhaite protéger ce monde. Non, cette formulation pourrait prêter à confusion. Il le protège par la force des choses. Mais ce n'est pas pour ce dernier qu'il agit. Il est simplement poussé par sa propre rage. Okay. Est-ce que je me suis un peu perdu, là? On a quoi? On a de la lumière autour de nous. Ah, c'est pas le truc du paladin, ça, ou du guerrier, je sais pas quoi. C'est aussi dans FF11 que j'ai rencontré une personne que... Je pense que je regretterai toute ma vie de l'avoir rencontrée. 16 ans plus tard. C'est horrible. Enfin, c'est comme ça. Et la vie, c'est pas le fun, la vie, pas tout le temps. Rarement, on va dire, rarement. I never finished my story about the Luthenians. There's not much left. Ornelia was populous and strong. Yet year after year, they lost ground to Luthenia. It was then, when the Cornelians, weary of war and on the verge of breaking, but without any warning. Fenya vanished. Vanished? Poof. The stories say no trace of their civilization remained. No way. Don't look at me. It's just an old legend. No one knows how much... Can't use your tricks. J'ai plus de potions. Waouh, 100. Ah oui, bah il est niveau 3, c'est pour ça. Peut-être qu'on a aussi le blackjack. Bien joué.
desperate. Mais bon. Après, il y a sûrement une façon de... Pourquoi ? Faut pas faire de combo pour ne pas augmenter le blackjack. C'est un peu chaud après. Si nous concevons d'un... Si nous concevons qu'un démon naît lorsqu'une personne dotée d'une force, d'une forte volonté et possédant un cristal noir se confond aux émotions du monde et aux ténèbres, ce n'est pas sûr que même quelqu'un comme elle puisse supporter cette transformation. Mais je ne pense pas qu'elle se laisserait engloutir par les ténèbres. Cependant, c'est certainement le dernier facteur déterminant pour concrétiser le futur qu'il désire. L'existence de cette jeune femme est d'une grande importance. On va aller voir ça là-bas. Another locked door? Just how obsessed were they with security? Excellent. It's open. Ça nous mène où ça? Parce qu'il y avait le... L'escalier... Je pense qu'il faut prendre l'escalier en fait. Ah, ça c'est un raccourci en fait. Oh, cristal. Oui, c'est un raccourci. What is this? Some sort of crystal? Ah, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'était comme ça, avec des cristaux qu'il faut activer. Je me rappelle plus vraiment. Là, il y avait l'histoire aussi, c'était pas mal de FF1 dans Sky. Il y avait les versions ténèbres, genre des Taru-Taru, des elfes et tout ça à combattre, c'était marrant. Ils étaient super bien faits, super sympa. Cornelians often say that things they can't explain were left behind by Lufenia. This tower just popped out of nowhere. So it's more of a gift than a leftover? Worst gift I've ever seen. On l'a fait ça? Je me rappelle pas. All right. Trapping us in a room with a bloodthirsty monster? Someone in Lufenia had a serious sadistic streak. Testing us. Just bastards. Back off! Come on out! This one's got some teeth. We gotta keep our heads cool. Time's up! Oh la pute, toi quoi. J'ai l'impression que je me suis perdu en fait. This is the one. Non, 7e étage, ok. C'est pas là qu'on était tout à l'heure. We've got our work cut out for us. Stay cool, Ted. Show us something. This one's got some teeth. We got this. We got this. Yeah. Oh, come on. Okay. On your feet. Appreciate it. Oh la vache, j'ai appuyé sur le paré, hein. Mais ou ça passe à travers, ou en fait à chaque fois j'ai timé extrêmement mal, genre j'ai ou paré ou un peu trop avant ou trop après en fait. Je pense que c'était mon timing, je l'ai senti que je parais pas bien. Time for a change. Putain, mais on en a défoncé plusieurs des trucs comme ça là, on les a massacrés même. Ash, finally, a challenge. Be ready for anything. We're in for it now.
Come on, we can do this! Oh la vache! Mais il fait méga mal comparé aux autres en fait. J'y arrive pas, hein. On va peut-être jouer un peu moins bourrin et un peu plus stratégique. This is the one. Come on out! This will be rough. Gotta focus. No escape. Aha. Watch yourself. Notre cristal. Second crystal activated. Aren't we done yet? Another key. Let this be the final one, please. That device appears to be linked to this crystal. Yeah, but it's not fully lit up yet. Experience tells me there are more crystals for us to find. Let's start looking. Ouais, j'avoue que c'est une catastrophe quand même. Treasure hunt. Ouais, enfin porte surtout. It feels as if there's a locked door around every corner. They must really want to keep something safe. Show me what you can do. Now watch and learn a couple things. Like that. C'est marrant de parler de d'expériences comme ça, de vieux jeux, de que pas mal de gens doivent sûrement pas connaître. Genre FF11, la meilleure, le meilleur moment d'FF11, c'était au Cap 80. Il n'y avait pas mieux. Il n'y avait pas mieux. Après, beaucoup de gens ont arrêté. Et le jeu est devenu très très casu. Extrêmement simple. Il y avait plus... FF11 était un des jeux les plus difficiles en MMORPG en fait. Et qui fonctionne toujours, hein. Il est toujours ouvert, hein. Les serveurs sont... il y a toujours des serveurs. C'est abusé, hein. Il y a toujours des serveurs. Ouais. Je suis pas très très conquis là par le machin. Time for a change. Ok, on a tous les... Ah, mais on va vraiment peut-être... Ah, honnêtement, si on a le boss, on a une sorte de chimère bizarre, là. Enfin, un peu orangé. Je crois qu'il avait des ailes, un peu orangé. C'était quoi? C'était Kirin, je crois. Kirin. Comme boss, je crois que c'était ça. My instincts are telling me we'll find Astos behind this door. I think I'm right. C'était Kirin. All I know is there's a powerful darkness in there. Oh, dear. Ça m'étonne. Then we'll have to go in with our weapons drawn. Ça m'étonnerait qu'ils mettent ça, parce qu'à chaque fois qu'on avait des boss, genre dans le monde de FF7 et tout ça, c'était pas les mêmes. Mais ouais. Ouais, illusionniste, je suis pas trop vendu. L'arme, par contre, le bâton est vraiment sympa maintenant. Je commence à bien aimer le bâton. On va voir. Ah, si c'est Kirin, je serais content. Ah, c'était Kirin hein, dans Sky, je crois. Ah non, c'est juste un... Ouais, les grands, comment ils s'appellent? Je crois qu'ils ont un nom spécial. C'est pas juste chevalier. You wanna play? Play with us. Yeah.
vais voir son nom. Ah, ça doit être un nom complètement banal, j'imagine. Ouais, je vais en faire. Je... Oh la vache. Ok. Ah, ça va être marrant, tiens. Ah, vas-y, qu'est-ce que tu vas me dire? Oh, il a une grande allonge. Beaucoup d'ampleur. Alors, esquiver ou bloquer? C'est bon, casse-toi. Time for a change. Here it comes. Time to go wild. Skilled in swordplay and magic? Impressive for a mere machine. Ancient tech made some serious weaponry possible. But convention, the dead. Fait de la magie, c'est ça. Oh la fin de toi. Oh là là. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est bon. Tanker les mecs. Hein. Oh la pute. Ok, il peut faire ça, ça marche. Ah, on a fait quoi, glace? Wow! Carrément. Pretty intent on killing us, isn't it? No, it's just a mindless beast driven by darkness. Let's oh mon dieu, what the fuck? Mal comme ça. Regarde-moi ça, sa rupture là. Disappear. Pas mal. C'est marrant. Qu'est-ce qui se passe? Your memories will be stored in this device. Be sure to bring it back. Understood. Be aware that storage space is limited. When that limit is exceeded, you must cease your activities and await extraction. From where? It varies. Just contact Astos when you're ready for pickup. C'est vraiment genre ils sont vraiment envoyés en mission et tout quoi. Genre on dirait l'armée quoi. I think he's all right. C'est intéressant. You barely weigh a thing. The crystal stopped working. That must mean its storage is full. Yeah, I knew that. But then, who was that person? The
one that gave me this thing in the first place. What was that white room? Where did I come from? Ooh. Face in this isn't like you. What? Are you sure you want to know? We're strangers. That means two things. One, we're strangers to this world, and two, we're strangers to ourselves. Not remembering who we are. That's what lets us fight without fear or hesitation. It's a mercy to forget. Those were your words, Jack. It doesn't matter. In the end, there are no answers here. I don't remember either. Neither do I. Yeah, same. You know I don't. Perhaps Astos can shed light on our questions. Seeing you again truly does bring a smile to my face. Il a un petit côté Snake aussi, Solid Snake, non? Jack, la façon dont il parle. Faut qu'on change de classe par contre, parce qu'on en a une qui est niveau 30 depuis tout à l'heure. Enfin depuis tout à l'heure, depuis l'épisode dernier, je crois. What do you think Astos was up to here? Donc par contre, on n'a jamais eu. You seemed confused, but that's to be expected. It'll all make sense in time. On n'a jamais eu de salle comme ça, je crois. Ouais, non, ça ressemble pas. Il fait froid. There's no mercy in forgetting, no matter what you think. It's time to face your past, Jack. Ooh. Mais merde. What do you think, Astos? Toi que je parle. Let's hear what Astos has to say. That's why we're here. Oh, thanks for saving me. I'm in your debt. What were you doing here? My eternal duty, as it were, monitoring the darkness, keeping track of it. Details, and fast, or I'll get mad. Fine, fine. But first, I need a favor. Step outside, and you'll see a strange castle that seemingly appeared out of thin air. A fresh new look for the neighborhood. The place is rife with monsters born from chaos. Give them the old one too, then we'll talk. Oh, and if you see any other new edifices pop up, give them the same treatment, would you? Ideally before they spread darkness and death across the land. Using us for your own ends? Heavens, no. You forget this is simply what you wanted from me. Now, I have work to do, so if you'll excuse me. Toodles. Forget him. We're leaving. Ça, la différence, c'est que ce qu'il avait écrit et ce que Jack a dit, c'était pas pareil, comme j'ai dit. Il a dit « détail, vite, avant que je m'énerve ». Il avait pas écrit ça en traduction. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, là? Il va y avoir différents genre châteaux, genre différentes choses qui viennent d'apparaître et ça génère des monstres, maintenant. Ah, c'est le chaos. Lol. Oh, chaos. Vous avez compris? Chaos. That way. Il est super ce jeu. Honnêtement, il est super ce jeu. On a eu tellement d'objets. Oh, niveau 100. On a eu tellement d'objets là. D'objets 5 étoiles. J'essaye de finir mes phrases. Illusionniste, c'est un supérieur ou pas? Ou un ultime? Non, c'est juste un supérieur. Okay. Je pensais que c'était un ultime. On peut voir un peu ça. Okay. Je suis pas trop fan
des mages au final. Ah, maraudeur, on l'a fini. Ça aussi, du coup. Ah oui, on a ça, là. Combo des ténèbres morts ou vifs. Ça a l'air pas mal, ça. Hein. C'est deux points. On peut pas voir. Eh ben. L'anima, c'est vrai que je l'utilise pas. Alors du coup, on va enlever Flambeur. On va mettre quoi? Mage rouge. Ah, je suis pas très fan de mage. Berserker, on peut mettre quoi? Chevalier aussi, j'ai pas passé un très très bon moment. Ah, on essaye un truc rapide. À la limite, pugiliste peut-être. Ardeur, bon escient pour marteler l'ennemi dans un combat de mêlée. Plus vous frappez l'ennemi avec vos poings, plus votre ardeur augmente, ce qui accroît votre puissance d'attaque et renforce vos votre coup de grâce qui effectue un maintien herbé enfoncé. Point foudroyant. Ah, c'est un mélange de genre faut maintenir et tout. Sceptre du jugement. Ça me dit quelque chose cette forme. Alors. Joli, balayage brutal. Ah, c'est joli ça. Et là, la frappe sonique. Percute double. Tacle percutant. Le problème c'est que, ouais, bien ce que je pensais, en fait c'est beaucoup d'enchaînement d'attaques, donc j'ai un peu peur que ça finisse par je vais me faire décapiter pendant que je fais une attaque, quoi. Lame de vent. Ouh, sympa ça. Maelstrom. J'aime beaucoup la bombe antimatière. C'est le truc qui tape plusieurs fois. Hein. Ça là, ouais, tac, tac, tac. Ouais, c'est vachement bien ça. Triple dard aussi. C'est la pointe là, c'est ça? Ouais. Et ça, c'est... Ça touche pas mal de gens. Ça, c'est pas mal ça. Alors toi, on va reprendre Néon un peu. Ok, je pense qu'on peut repartir au combat. Alors fais voir. On a ça, palais englouti, destin haï. Destin et le souvenir appartient à un inconnu. Le cristal de l'eau de la restauration de son éclat que de nombreuses personnes attendaient à porter la main, s'accompagnant elle, bien qu'ayant mission de vaincre Chaos, n'avait alors que la restauration du cristal en tête afin de... Mais attends, mais on l'a pas fait ça? Âme de ravageur pour Sophia. Non, on l'a pas fait ça. C'était une attaque surprise, le monstre en surgit derrière elle, ne lui laissant aucune chance de riposter, elle a perdu la vie. Sa haine envers ces derniers a transcendé ce monde et persiste encore.
Le septième espace-temps. This will be a walk in the park. Rien que le Giga Mega Marble. Ça marche. This is the one. On est joli, non? There you are. This will be a breeze. Mon dieu, je suis bloqué dans l'animation, c'est pas grave. Aïe 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 aïe. J'ai plus de vie du tout. J'ai jamais aimé les moines. Dans n'importe quel FF, j'ai jamais aimé les corps à corps à coups de poing. J'ai toujours trouvé ça extrêmement frustrant et pas intéressant. Après, bon, bah, ça a l'air un peu violent, quoi. Après, ils disent que... Ouais, voilà, ouais, je peux rester appuyé. Garder avec moi le machin, même si. Ouais, mais il va pas me suivre, on est d'accord. We got company. Let's make this entertaining. Take it from here, Neon. Ouais, le machin il me suit pas en fait. Faudrait le faire venir à chaque combat. Putain, c'est la merde. Ouais, non, c'est la merde. Found some cubes. I'll check it out. Ouais, on va rester moine, on va essayer de le finir vite. J'ai pas la clé. Ouais, la carte. Ah merde. Non, faut revenir en arrière. Aïe aïe aïe. Ça non plus. En bas peut-être.
Take it from here, Neon! Better try something different. That putain de toi. Non, putain de... En plus, j'adore, c'est mourir quand on est méga loin de la zone. Ah, oh, c'est top, ça. Ah, oh, putain, c'est par là. Faut se retaper le chemin. C'est magnifique, ça. Ouais, on va rester en moine, comme ça on le finit. Vu que c'est pas trop mon kiff. There you are. Let's make this entertaining. Take it from here, Neon. That looks bad. Oh la vache. Nice. I'll take that. We've got a hard road ahead of us. We got this. We got this. Par contre, le fait qu'on puisse pas le stunlock, ce machin, c'est horrible. We need to patch ourselves up. Ok, on a la carte. Eh ouais, ça... Ouh, c'est à l'air... Je sais pas. Ça a l'air méga puissant, en fait. All right. Attends, est-ce que je peux balancer quelque chose ou pas? Time for a change. That worked. All according to plan, huh? Jack, now's your chance! Woohoo! You'll do it. Oh la putain de sa maman. Save some for the rest. Sérieux. No room for mistakes. Careful now. Mon dieu, t'es sans déconner. Quoi. Eh ben, par là. C'était. C'est ouais. On l'a passé quoi, vite fait. Hein. Ah attends, là, raccourci. On l'a passé, c'est déjà ça, niveau 22, c'est bien. Treasure, huh? How we've hit pay dirt. Ooh. Hurry up and try it on. Oh merde. Là-bas. Okay. Treasure ahead. Je crois qu'il y avait encore une autre porte, je sais plus où. Non, ça c'était le pampa. On peut activer ça? Non, on peut pas activer ça. J'espère que c'est la bonne carte. Hein. Ouais, c'est bon. Ah putain, c'est les deux en même temps en plus.
Hop. We've got our work cut out for us. Sink or swim. This one's got some teeth. We've had worse than this. Oh la vache. Any potions left? Be safe, guys. T'es un mort. Putain, ça fait longtemps ça que j'ai pas fait. Bon, ouais, ah, c'est pas trop mon truc de taper avec les poings, c'est pas mon truc, mais je dois reconnaître que c'est puissant quand même. Ravageur pour ça. J'avoue que c'est ça va. Ça tape bien. OK. J'arrive pas. Ok. Mage rouge. Débloqué. Chevalier du néant. Prenez le contrôle de tous les sorts avant qu'ils soient les vôtres. Chevalier du néant peuvent utiliser les techniques de l'âme égide. Enfin, avoir absorbé les sorts pendant une technique est activée. Ah ok, oh, ça peut être marrant ça, tu vois. Est-ce qu'on est... Comme ça c'est moine. Ouais, non mais nous c'est pugili, c'est pas moine. J'ai bien envie de tester l'autre là, mais on n'a pas fini avec... On va voir là, chevalier du néant. Attends, chevalier du néant, il peut faire quoi? Parce que... La hache, non merci. Ah, il peut faire deux dagues. Hein, c'est intéressant, ça. Affaire épée, bouclier. Épée, bouclier. Ça, c'est pas mal. L'autre, elle l'a déjà. Tu m'as donné. Ok. La lueur nocturne. Ok. Attends, à quoi? Inflige des dégâts élémentaires ténèbres en tirant l'ennemi vers soi, puis en provoquant une explosion. On consomme des PV. D'accord. C'est pas... Ok, ça c'est pas mal. Tourbillon. Et le pugiliste, on a gagné quoi? Soba aérien. Ok, ah, on a griffe tourbillonnante aussi, griffe mortelle, oh là là. Truc. Ouh la vache, ah c'est pas mal ça. Ok. Surtout pour varier un peu en fait. Elle est jolie l'épée. Enfin, elle est chelou en fait. Parce que ça c'est pas le fourreau, ça c'est l'épée directe, hein. Mais d'accord. Ouais, bizarre. Faut voir les autres. Toi, t'es berserker max. Je vais prendre tyran.
Ok. Du coup, on est reparti dans l'histoire principale. La patrie des étrangers. En arrivant dans les profondeurs de la tour, Jack découvre Astos en train de se faire attaquer par un géant de fer après avoir vaincu ce dernier. Il essaie en vain d'utiliser son cristal noir face à la brume, s'en échappant et ses compagnons et lui se retrouvent face au passé. Pause. Il comprend alors la raison pour laquelle son cristal n'a pas fonctionné et est confus devant cette réalité. Maintenant qu'il a vu différents souvenirs contenus dans la brume, Jack commence à remettre son passé en question. Il demande à ses compagnons d'où est cette salle blanche, mais n'obtient aucune réponse de leur part. Pause, hein, bien sûr. Astos les remercie de l'avoir sauvé, puis s'en va en leur disant simplement de se rendre au château qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Jack et ses alliés se mettent alors en route vers leur prochaine destination. Ça vient d'où, ça? Un immense immeuble était une installation permettant de contrôler la puissance du cristal qui s'y trouvait. Ah, le 15e. Ouais, FF15. J'ai pensé à ça, en fait. Le château de FF15. Dans le 15e espace-temps, ce dernier a été volé et le monde a été plongé dans les ténèbres. Je n'ai aucune idée de ce qui est advenu, mais Lufenia a trouvé un moyen d'introduire directement quelque chose recelant une quantité substantielle de ténèbres. Il y a plus de temps à perdre. Je me rappelle, dans FF15, il y avait un cristal qui protégeait la ville ou pas? Je me rappelle plus. Je l'ai fait qu'une fois, FF15. Je suis pas extrêmement... Honnêtement, je préfère les combats de celui-là que FF15. FF15, c'était tellement brouillon, les combats. Lufenia left this behind. Looks new. Maybe this is a gift. A tower filled with monsters? They have an odd sense of humor. Yeah. And some amazing tech to throw around. This is our fault. This must be our reward for purifying the crystals. Oh. What is it? That feeling's gone. My drive. My purpose, it's not there anymore. Ah non, il a perdu son mojo. Ah non, 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 faut qu'il gueule, faut qu'il casse la gueule au truc. Attends, tu vas pas... Non mais oh. Ouais, non, ça doit représenter le château, là. Je sais plus le nom... Noctis machin, là, je sais plus son nom. A barrier. This is vexing. No off switch, but there's gotta be a way to get through. Come on. Time to go to work. Par contre, je veux bien voir comment ça marche. Là. Ouh, j'ai absorbé un truc. Oh, il y a des araignées. Ben. Ouais, non. Hope it's good. Let's go. I don't stand a chance. Ah, le combat est rapide au moins, ce qui est bien. Oh. So that was generating the barrier. Astos was looking pretty rough. Ah, il y a des extincteurs et tout. Not just monster beat me up rough, but something deeper. Yeah, but good luck getting him to tell you why. He makes Aha. us pay in blood for every question we ask. We're doing his dirty work for him. So long as his information is good, I consider it a fair trade. Mm. All right. Time for a change. Bah, j'aime bien combattre avec une épée, on va dire, parce que c'est rapide, mais... Ah!
Ah mais là je peux absorber le vent, non? Putain, c'est pas ça que je vais faire, bordel de merde. Destroyed the power source, so the barrier should be down. I've got a sinking feeling. Come on, we can do this! My sword's breath. Sorry if I drop the ball. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais faire. Attends, je peux absorber ça? Non. Faut que j'absorbe genre une boule de feu, quoi. C'est chaud quand même. Bah, c'est une boule de feu, c'est sûr, mais. C'est un peu compliqué de d'être intéressant avec ça, avec cette classe. Hey Jack, we need to have a talk. Now that our crystals won't protect us from the mist, you're a liability. You depended on yours to keep you safe. In other words, you'll be forced to do your favorite thing, reminisce. Uh-oh. Well, it was nice knowing you, Jack. Shut up. Shut up. Found some cubes. Better not forget where it is. Blackjack. Hey, what are we even doing here? Killing all the monsters. Duh. We do this for Astos, and he gives us the info we want. What info is that? I get the feeling he knows lots of stuff. Like world affairs, history. Ouais, on tue des monstres. There's one. This will be a breeze. Right. Putain, j'étais en combat. J'étais en combo, pardon, pas en combat. Nos nombreux essais et erreurs nous ont permis de confirmer que l'émergence des démons est causée par l'existence même des humains. Nous souhaitions un avenir avec ces derniers, mais nous devons d'éliminer ce que nous ne pouvons pas contrôler. Notre collaborateur de la faille interdimensionnelle nous a proposé un nouveau projet au moment opportun et nous réfléchissons à poursuivre le nôtre en même temps que celui-ci. D'accord. J'ai toujours pas absorbé n'importe pouvoir, aucun pouvoir encore. À l'envers, mais c'est grave. Ok, bien. Alors ça, c'était de la merde en boîte. Enemy spot. Let's make this entertaining. Stay on your toes. Time to go. Woohoo! Move aside. Is that it? Good job. Now on to the next. Okay, je voudrais bien absorber un pouvoir. Ok, j'ai absorbé un truc. Je crois. Oh la vache, mon dieu, ma vie. Oh no. Je comprends rien. I have better match. Don't worry, we
got this! Je peux absorber ça ou pas? Non! Quelle merde. J'ai appuyé trop vite. Check it out, Jack. Jackpot. Things just got interesting. J'ai appuyé trop vite, du coup j'ai enchaîné avec une attaque. Attends. C'était ouvert ça? Non? But I think there's a way up. Yeah, I get the same vibe. Let's be the first to welcome these monsters into the world. Come on, let's be quick about it. Yeah. That hit him, it's gonna hurt. Mon dieu, oh mon dieu. Yeah. Ok, j'ai absorbé un truc. Qu'est-ce que... Je suis spécial maintenant ou pas? Danger. Je sais pas. On va peut-être relire là. Now let's move. Nice. Down with the old, up with the us. Peut-être relire la description de comment ça fonctionne parce que je pense pas que j'ai bien compris. D'adopter une posture de garde et d'activer un cercle magique. Les dégâts magiques reçus dans cette position sont absorbés par ce dernier pendant que le cercle est actif, exécute une attaque dérivée en relâchant RT pour régénérer les PM ou appuyer sur RB pour asséner un coup tranchant qui dissipe les effets bénéfiques de l'ennemi. Hein? Okay. Ouais, en fait, c'est une sorte de tank, mais qui peut absorber les magies et tout ça. Genre, si t'as jamais en combat. I don't care about any of that crap. If it's not chaos, killing chaos, or light and dark, wow. Who cares, right? Wrong. All of that's just background noise. All I care about is... Finding something to replace that purpose you lost? You got it. I need a name. Something to kill. I'm nothing without a battle to fight. I wouldn't say that. Wow. It's a matter of principle. You wouldn't understand. Faut que tu te calmes, Solid Snake, hein, honnêtement. Il a le même discours que Snake de temps en temps. Ouais, ce serait une sorte de tank contre la magie, en fait, je dirais. Enfin, on peut le faire en tant que tank contre la magie. Vu qu'on peut absorber. Enfin, c'est comme ça que je le vois, après, je suis pas sûr. Genre, il convertit ce qu'il absorbe en PM, c'est ça? Exactement. Take it from here, Neon. Oh, I'll leave you to ask. This punch to right through you. T'es sérieux là? Mon dieu, tu vas me faire tuer. Hey,
looks close. I can learn from this. Ouais, j'espère, parce que là tu viens de me faire consommer des potions et je me suis pris une grosse baffe à cause de toi aussi. So Lufenia sends its refuse here to generate yet more darkness. Why would they want to make the stuff? I have the feeling I wouldn't understand, even if someone explained it to me. Ah, on est de retour ici. Yes. Just what we needed. Okay. Là? Ouais. C'est parti. Couldn't make it more obvious, could it? Yeah, and it even comes with guardian monsters. Not very subtle. Ah, c'est des bonnes AOE en fait. On voit un peu les dégâts qu'il fait. Des fois, on dirait qu'il va plus vite que. Par une sorte de téléportation. Je sais pas comment je la fais en fait. Non. Je sais pas, c'est pas grave. There. A barrier must have gone down somewhere. Blackjack. Jack, you okay? Huh? That drive inside of you was what kept you anchored. Now it's gone. We're worried about you. What? It's not like our job's over. Lufenia's darkness is still out there. Growing stronger. Jed's right for once. Jack, it's fine if you're rattled. Just stay on point. Remember, we got your back. Ok, Snake, t'as compris? Look, cubes. Better not forget where it is. C'est quoi, c'est un raccourci ou un... Ok. Wow. It's lovely. Huh. I never pegged you for a nature lover. You really know how to ruin the moment, huh, Jed? Right. Quiet time. Je suis pas sûr que j'aime cette attaque de vent là, je suis pas sûr. Heal that before it gets bad. Bravo. Par contre, du coup, oh la vache, je voulais faire un truc. Ah oui, voilà. Ok, putain. Ok, là j'allais faire le coup de l'épée là, c'est ça que je voulais tester. Mais du coup je reste avec beaucoup de, ce que je disais c'est je reste avec beaucoup de PM en fait tout le temps. J'en consomme très peu au final. Faudrait peut-être des attaques qui en consomment plus. Ça pousse contre les parois, c'est pas mal au final. Can't you move?
Ah. Enfin, allez, après... Bah, le truc de vent, il repousse pas mal, en fait, dans un sens. Genre, il les explose contre les murs la plupart du temps, donc je crois que c'est en théorie pas mal, au final. Je vais voir ce que ça dit exactement. Genre ça, la tourbillon. Multiples coups infligent des dégâts élémentaires devant vos ennemis situés devant vous sur une large zone et les propulse en arrière. Ouais, c'est ça, c'est la propulsion en arrière en fait. Lueur nocturne, j'ai peur de l'utiliser. Je pense que je vais me suicider avec ça. Ah, okay. Ah oui, mais j'ai pas de... Waouh, qu'elle vient de faire. Néon, là. Ah, bah c'est ce que je peux faire, en fait. Oui, parce qu'elle aussi, elle est guerrier du néon. Du néon. What? Je me suis pris un mille et quelques dans la tête. C'est bien. Pas mal. On va peut-être pas retuer le jardin entier parce que peut-être pas exagéré. There you are. This will be a breeze. Voilà. Time to go wild, Jack. I'll leave you an asshole. Can't you move? Might have met our match. We're just getting warmed up. Can't use your tricks. That looks bad. Cool. Fais voir. Tu veux tirer sur moi ou pas, non? Fais-moi un truc que je fasse l'attaque là. Ah, c'est pas mal. I think we're safe. What should we do now? Continue à tuer, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hope it's good. Ouais, j'aime bien le guerrier du néant. Après, je sais pas si c'est la meilleure des combinaisons. Là, peut-être avec une grosse épée, ça ferait plus mal. Le raccourci. It's all connected. We can set up base here. Ouais, j'imagine que peut-être avec une grosse épée, ça serait en théorie plus puissant. Qu'est-ce qu'il peut faire? Attends, non, c'est ce que je vais voir, c'est le job en lui-même. H, c'est trop lent, j'aime pas, mais... Chevalier du néant. Parce que Chevalier du néant, ça me fait penser au Chevalier sombre en fait. Les Dark Knight là. Mais il me faudrait des trucs rapides et bien par contre. C'est les attaques en fait qui me faut. Genre ça, c'est. Ok. Ça, c'est une protection. D'une attaque tranchée. Oh, 3 ? Wow. J'ai remarqué que des fois ça lag pour vous aussi. Les petites cinématiques. Marrant.
Après, c'est compliqué avec mon OBS là. Depuis que j'ai fait la mise à jour, l'OBS il y a le son, le. Enfin bref, tout va bien. Donc, une épée spirituelle à trois coups. Et ça, c'est quoi? On a des bons trucs là. Lame égide. Ah oui, non, mais ça c'est. On teste. Allez, on teste. We should be careful. Finally, a challenge. On your toes. You're in for it now. We got this. We got this. Here it comes. J'arrive pas à me faire de DMP. Putain de toi, la salope de truc. Oh, 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 chaud, chaud, chaud. Ah, ça buff mon épée aussi. Ok, c'est sympathique ça, par contre. Ah, c'est pas facile avec une grosse épée. Honnêtement, je suis tombé un peu sur les. Les monstres super casse-couilles, donc du coup. Alors, c'est Lufenia qui a imparti la mission de vaincre Chaos aux étrangers. C'est ce qui les a fait agir. C'est ce qui les fait agir. Ils doivent l'éliminer et réduire la quantité de ténèbres dans le monde. C'est la raison pour laquelle celui qu'il est actuellement continue de combattre. Que deviendra cette compulsion lorsqu'ils auront vaincu tous les démons et qu'il ressentira son lien avec Lufenia. S'il ne se souvient de rien, je devrais alors le guider, mais je préférerais qu'il se souvienne lui-même de sa véritable mission. On est tellement pas un gentil. attends, on peut monter. On monte ? Oh là là, non mais sans déconner quoi. That's the last of them. Hey, be safe, guys. Bien merdé. Come on. Time to go to work. Out of my sight. Wasn't much of a fight. The next fight might not be so easy. Mouais. Non, on vient de là. Ouais, deux épées, la grosse épée à deux mains, c'est quand même bien chaud, hein, je veux pas dire, mais je suis pas très bon. Time to go wild. Pas mal là, non? Already? Let's finish this and move on. Nice.
sword's breath. A win is a win. C'était pas mal là ce qu'on vient de faire, non? Enfin, je l'ai fait qu'une fois quoi. Pas mal. J'ai fait un truc, c'est pas mal, non? J'ai pu contrer là. Oh la vache. C'est quand même bien chaud, hein. C'est vrai que ce chevalier, il donne. Pour le moment, il a pas grand chose d'intéressant en fait. Après, il faudrait le combiner à quelque chose d'autre. Après, est-ce que je peux. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, c'est pas grave. Ah, mais ça aussi, ça buff l'épée. Oh la vache. Wow! I didn't think we'd get through this way. Any help is welcome. Après, ce qu'on pourrait faire, ce que je suis en train de. En fait, c'est ça que je voulais tester, c'est mettre en fait le fracas enragé là. Non, pas ça. La lame égide. En combo, ça pourrait être une chose aussi. Pour bloquer en fait. Pendant les combos. Mais bon, c'est un peu compliqué. Parce que si on les met genre en 2 et 3, on pourrait se protéger en fait. Pendant qu'on fait un combo. Ça serait peut-être plus intéressant. Bon, on aurait moins de trucs foufou, mais. Ça pourrait être une solution en fait. C'est il où la sensorie là. Je sais pas, ça peut être intéressant. En 2 et 3. What is he in that tower? No idea. Whatever it was, he's not telling us. One thing's for certain. We're better off if he doesn't remember where we come from. Look, cubes. I could use a break. Ah, j'entends un pampa. So much darkness. Let's clean it up. Look strong. Stay cool, kid. Time to die. More of those. My life is flashing before my eyes. Don't give up, Jed. Jed! Il est par terre. Nothing's in our way now. You got a ways to go. Pampa, je l'entends plus, je lui fais peur. Ah non, il est là. Let's go. Let's make this entertaining. Bon, ça m'a coûté cher, mais. Les enchaînements sont sympas de la grosse épée. Botte de l'aube. Jack, are you up for this? There's an enemy ahead. I know you sense it. Dumb question. I can always fight, especially to get what I want. Found some cubes. Better not forget where it is. OK. On va bien galérer, je pense, avec ce. avec cette classe. Je crois qu'on va galérer. Allez, c'est parti. Aïe, aïe, aïe. Le truc, c'est qu'au début, on a plein d'MP, donc ça va bien se passer, mais si jamais on se fait tuer, après, ça va être. On va crever d'affilée, en fait. Mmh.
Ah, oh, c'est un Behemoth. Oh, cool. A Behemoth. J'ai l'impression qu'ils ont fait comme FF7 remake. En gros, c'est si vous connaissez les jeux, les Final Fantasy, vous avez un avantage parce qu'en fait, vous êtes. C'est comme si on était Jack en fait. Nous, c'est Jack quoi, en gros. Eh oui, je suis en animation donc. Voilà. Non, ouais non, mais ça va pas le faire là, ça va pas le faire en mêlée comme ça, ça va pas le faire. À la limite. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont voulu faire un peu comme FF7. Genre, si vous avez jamais fait le remake, faites-le le remake. Et surtout, si vous connaissez l'original, en fait, ça va être super fun pour vous. Et j'ai l'impression que c'est un peu pareil, là. Ok, on va tester comme ça, on va voir. That looks bad. Take it from here, Neon. Oh là là. J'ai essayé de faire ce putain de contre là. Ça marche pas. Bah, dans un sens, ça m'étonne pas parce que c'est une AOE et tout, mais. Ça va me gaver. Ça va pas marcher avec. Je vais devoir prendre un flingue. Take it from here, Neon. Oh là là. Non mais les dégâts s'il te plaît. Super. We're in for it now. Careful now. Non mais sérieux, le truc qui va sur le côté, il me défonce la gueule. Bon, on va tester ça. Bon, d'accord. Ouah, putain, mais. Le machin, il est quand même bien rapide. Hein. Chaque fois que je fais un truc, il me balance une comète juste à ce moment-là, quoi. C'est ouf. Hein. We'll have to take it slow. Careful
don't drink them all at once. No room for mistakes. J'arrive pas à lui à le briser en... Ouais, non mais ça marche pas, là. Allez, c'est bon. Ça m'a gavé. Aïe. Yes, let's go. Allez, let's go. Ok, cool. Better tread carefully. T'as pris bien cher, hein. Je sais que je me suis pris son attaque rouge, mais je voulais voir un peu les dégâts que je peux faire, et oui, non, c'est bon. Là, c'est bon, il n'y a plus besoin. Il va finir, il va mourir. Here it comes. Take it from here, Neon. On l'a paralysé. Ah la pute, ça c'est de la. Qu'est-ce qui me gave avec son météore de merde? Oh la vache! Ah, il est pas mort. Oh, il a des ailes. We're not done yet. Shatter it to pieces. Our attacks aren't working. Because you're hitting it at random. Focus on one area and smash those crystals. Oh. Take it from here, Neon. It isn't over. This is really mega atonium. Stop it or we're toast. This sucks. Help Neon out. Save some for the rest of us. Okay. Bon, on va le tuer. Oh, il me gave. J'ai fait de la merde. J'ai voulu me... Ah, hein, j'ai voulu... Je me suis dit, ça m'a saoulé. J'ai un peu trop joué avec à un moment. Je me suis buffé, tout ça. J'avais pas besoin de me buffer. Qu'est-ce que... C'est quoi, c'est pour la deuxième phase? Caractéristique du BMOP. Ah oui, du roi, ok. Ils te mettent une aide même pour la deuxième phase. C'est marrant, ça. Here it comes. Better tread carefully. Got a sinking feeling. Come on, we can do this!
Bien joué. Cool. C'était beau, c'était beau. C'est la salle du trône en plus. How many times have I been here? Une fois, parce que j'ai fait FF15 qu'une seule fois. We finally partitioned ourselves off from that vile, obsolete world. We cannot allow them to reestablish the connection from their end. That is why we need to keep monitoring the balance of light and darkness. If it looks like it will crumble, then we inject darkness to reverse the course, or reset the world, if need be. Lufenia is a glittering jewel, a utopia. Uncontrollable variables have no place here. Are the visions I'm seeing from this... Lufenia? Is that where I come from? I'm just another one of their gifts. Ça y est, il pète un câble. And you... They just left you behind, didn't they? Wait! Intéressant. Bon, quand on a des problèmes, hein, toujours faire appel au pistolet. Hein. Souvenir écarlate, ok, cool. On a, à chaque fois que les missions apparaissent de principal, on a toujours un warning à chaque fois. Hein. Je crois que on monte pas assez. Enchant, réduit les dégâts reçus. Réduit temporairement les PM au lieu des PV lors de dégâts reçus. Garde runique. Ah, voilà, là il a des trucs intéressants. C'est vrai que nous on était au niveau 1 et j'avais rien débloqué. Hein. J'avais strictement rien débloqué. Qu'est-ce qu'il a là ? Comment affinité, je vais le dire. Est-ce qu'il a des attaques sympas? Renforce le cercle magique selon la durée d'utilisation de lame rigide. Je viens de le regarder, putain. Ouais. Pas, je le vois pas avec des trucs très très intéressants quand même, hein, celui-là.
Régénère les PM selon la jauge de PV de l'esprit lorsque celui-ci disparaît. Ok. Mage rouge. Mage noir. Chevalier noir. Le sage. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Alors, flambeur, on va le changer pour... On était en train de monter le pugilis là. Ouais, j'aime pas trop. Faudrait le finir en fait, tout simplement. Faudrait le finir à la limite. Chevalier du néant, on va rester comme ça pour le moment. On va rester avec une épée simple. Corne de Behemoth. Ça, c'est pas mal, ça. Et on a eu foudroiement. On va voir récupération magique. Régénère temporairement vos PM progressivement. Réduit les PM max à l'activation. Ah! Ok. Pas mal. La garde runique. La garde runique, ça peut être intéressant, ça. Si on veut vraiment faire un pur tank et je sais pas trop quoi, là, résister. Contre riposte. Griffe mortelle, griffe tourbillonnante. C'est ce qu'on utilisait, non? Qu'est-ce que je voulais faire avec le chevalier? Je voulais faire... Ah oui, le truc du behemoth, là. Fais voir un peu. Foudroiement. Ouais, on peut tester. Ça a l'air marrant. Je vais voir un peu les autres. Ok, lui bientôt 30. Tu as eu ça. Rengoku et Kuroagea. Pas mal. Ils sont jolis les tenues là. Point sonique. Je trouve ça bête qu'on ait des pavois, en fait. Bon, en gros, il faudrait avoir l'attirail qui va avec. Genre, faudrait une grosse armure. Mais même dans les missions, en fait, on va courir très vite. Donc, courir très vite en armure, genre très lourde et tout, ça fait un peu bizarre, quand même. Par contre, faut qu'on commence à détruire les choses de bas niveau, là. On est tous dans les 100 à peu près. Ouais, tout ce qui est au moins 90, moi. On est bon. On va s'arrêter là? Bah, c'était bien. On a des missions secondaires, je crois. Ouais, on en a deux. Donc on va faire ça. On va continuer, du coup, à augmenter notre... bon, bah, chevalier, là, du néant, là. Bon, c'est pas mon kiff, mais... hein, on va le faire quand même. Et le pugiliste, faudrait le finir. En fait, on va essayer de concentrer sur le pugiliste. Comme ça, on le finit. Bon, on a 200 et quelques. On est à ça. Augmente les dégâts de rupture... PV, vigueur, agilité, c'est pas mal.
C'est pas mal. Ouais, il faudra finir ça. Comme ça, on s'en débarrasse. Allez, on fera le reste la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao. Oh, Durandal. C'est une épée de lumière, normalement, dans les FF, je crois. Bref, à la prochaine, ciao.